On a généré sur le serveur une map spécifique à la sortie de la 1.7. Mais voilà quoi. Ah dommage, pourquoi j'ai pas pris de salle, tiens, sur moi. Bon. Sel, je sale rarement mes aliments. Ok, ça c'est de la génération de monde. Oh salut toutou, ça serait sympa que j'en ai d'autres pour les reproduire. Je sais qu'on peut les reproduire. De toute façon je n'ai plus d'os, mais ça peut être une idée. Yamakasi écolo. Youhou. Comment? Ouf, comment j'ai pu rater le petit carré de flotte? Bon, on va bien finir par trouver un de ces biomes marais, non? Je suis en quoi là? Je suis en forêt? Ouais. Oh, c'est bizarre, d'ailleurs il devrait plutôt m'indiquer rivière. Ok, et il fait nuit. Tant pis, je continue. Tant que j'ai pas trouvé un marais, je continue. Toute cette stone là. Salut. Toujours pas de poudre de creeper. Bon. Ouais, je suis à fond. Bon, il y a des poulets. Ouais, c'est vrai que je suis là, moi, pas de flèches. Ah si, maintenant j'ai des flèches. Bon. Attaque le chien. Attaque. Pas du tout safe. On est bien d'accord. Comment t'as fait ça, toi? Bon. Du fer. Est-ce que j'ai du fer dans le secteur là? Oui, là-bas. Son chien près d'une falaise. Mauvaise idée. Se taper une falaise en hardcore, mauvaise idée. Ouais. Bon.
Poulet rebelle. Ah putain, j'ai pas récupéré sa plume. Salut. Je suis con, moi. Allez, hop. Plaît-il? Ah d'accord. Je sais pas où y aller, mais y aller, hein. Oh. Ça passe tant mieux, si ça passe pas. Bon, c'était tendu, mais j'y suis. J'ai mon fer qui se creuse un petit peu en plus. Je vais juste remonter à sap. Comment ça se fait que j'ai pris feu? J'ai touché de la lave? Ah. Bon. On récupère. Ok. On se tire de là. Toi, tu te réactives. Alors, je sais que je suis pas du tout à l'abri, mais on peut se mettre. On peut s'y mettre, remarque. Le chien, je sais pas où il est allé, j'espère qu'il va pas faire le foufou. Allez. Là, je me éloigne en plus. Allez, hop. D'accord. Tout va bien. Ouais, je l'ai tué, mais... c'est bellement allé m'emmerder. Alors, je vais peut-être réussir à faire ce que je veux faire. Hop, hop. J'ai toujours ma housse sur moi. Tout va bien. Ok, alors, première étape, on va se refaire un peu de charbon. Il pleut, mais ce n'est pas un problème à présent. Trop de monstres à proximité. Merde. Bon. Ah.
Allez, une épée, vite. Hop, ben d'accord, j'ai trouvé le mob. Il fait jour. Mais il pleut, donc les mobs ne despawnent pas et elles sont toujours là. Ça va être tendu pour revenir, hein, je le sens. Ouais, de toute façon, il me faut... Allez, le dernier. Hop, et on rembarque le tout. On continue un peu vers l'est, hein, de toute façon. On va continuer un peu. J'ai pas de quoi enchanter, mais on s'en fout. Allez, on se tire de là. Bon. On doit être à l'épisode 12 à présent. Si je ne dis pas de bêtises. Merci pour l'œuf. Comme ça, si jamais... On va devoir creuser ici, je crois pas. Ah, j'aurais peut-être dû garder ma pelle. C'est pas grave, allez, on va se les faire à la pluie. Enfin, on peut se les faire à la main aussi, hein, ces blocs-là, mais... C'est quand qu'ils décident à me donner un marais, quoi. Le chien continue à me suivre. Okay. Ok, plus de... Et de là, ça aurait été pareil. Enfin, presque pareil. Ok. Ok, c'est de l'extrême île, ça? Ah non, c'est la taïga. Biome Extreme Hills, ça pourrait m'être utile. Hein. J'aime bien l'Extreme Hills. Bah, si vous vous souvenez, l'épopée d'un enchanteur, le biome où j'avais installé ma maison, c'était de l'Extreme Hills. Ça peut se présenter de façon sympa. Ah oui, mais je crois que dans le taïga, de toute façon, ça il pleut pas. Si, il pleut dans le taïga. Non, il... Ah oui, si, il pleut dans le taïga, mais... Si on est sous les arbres, c'est bon, quoi. Allez, c'est vrai que mon rendu, résultat, en plus, il va prendre cher. Sans compter que je suis sûr que vous devez entendre la pluie. Bon, je voulais pas le faire.
Mais je suis sûr que c'est... Je suis sûr que c'est insupportable pour vous. Donc moi je vous propose c'est quand même qu'on se débarrasse de la pluie. Voilà. Juste pour ça. C'est tout. Sinon après je suis sûr on reste en extrême. Ouais c'est ça, on reste en extrême. Voilà, c'est juste pour des histoires de rendu. Parce que sinon moi ça me dérange pas plus que ça. Enfin si ça me dérange quand même, mais c'est surtout au niveau du rendu puis pour vous quoi. Je sais que la pluie est particulièrement agaçante sur les vidéos, alors je vous épargne ça. Après, si ça vous plaît de voir de la pluie, vous allez avoir un problème. Encore, et bien de neige, bon. La pluie, ouais, c'est vrai que bon. Lors de ma toute première série, j'ai été surpris de voir qu'il pouvait neiger dans Minecraft. Est-ce que vous vous souvenez? Gros château que j'étais à cette époque-là. Je rentre dans une grotte, je tombe sur un donjon. Hop les, gagné. C'était beau, n'empêche. Enfin bref. Bon. Je voudrais un marais, s'il vous plaît. Pour avoir des... Bon, donc on est clair et net, je ne suis pas prêt pour l'ultra hardcore, hein. Parce que vu les dégâts de chute, déjà rien que j'ai failli me faire trouver la peau par une sorcière. De ça quelques épisodes. Pareil pour un squelette. Toute façon, je pense qu'on va... On va diriger vers le sud. Descend à une vitesse. Toute façon, je suis full. Pas de flèche. Enfin, pas de flèche, pas d'os, je veux dire, parce que je comptais réapprivoiser un chien. C'est quoi cette meute? Hop, je creuse avec mon steak, je le mangerai après. Tout va bien. Pas de problème, tout va bien. J'ai parcouru 2000 blocs.
Pas de marée. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas un biome que j'aime. Dis tout de suite. Apparemment, je suis glitché parce qu'il arrive pas maintenant. Bon. Ok, j'ai des os. Qu'est-ce que je peux laisser? Qu'est-ce que je peux laisser? Ça, j'en ai rien à foutre. Ok, donc... Ah ouais. Bon. Donc ok, donc ça, c'est un biome à éviter. Les mobs... C'est tellement dense que les mobs ils spawnent. On va se rediriger vers notre base. On a un lit, on peut. Ah, sorcière! Hors de question, je me tire, mais je me tire quoi. Et là, bien me marrer. Je vais me mettre à l'abri, poser mon lit et me tirer, mais d'une violence. Si je dis pas de bêtises, je peux faire un truc, c'est ça. Hein. Non, je suis targeté par un monstre encore. Ok, c'est bon. Feu en plus. Bon. Il y en a un, il sait pas qu'il doit prendre feu. Ça fait rien. Bon, allez, on va retourner notre jungle. Bon, donc nord-est, c'est mort, il n'y a pas de... Mais genre, c'est... C'est possible ça? Ils sont sérieux? Mais merde! C'est quoi cette map? Hey, mais avec ça, je vais vous faire un teaser de malade! C'est quoi cette map? Oh putain de merde! Oh, fait chier! C'est là que je veux m'installer moi. Il y a des îles flottantes. Pourtant, j'aime pas ça, les îles flottantes. Hop. Je cherche un marais depuis des heures et il y en a un juste là. Oh mais merde. Bon bah,
On va renommer cette série, hein. Je le sens bien. Ok, on va s'investir cette grotte. On va investir cette grotte, on va l'investir. Je pense que c'est un bon investissement. Comme ça, la nuit prochaine, on se fera. Je sais pas si je ferai un épisode teaser, un épisode zéro. Si je peux. Ouais bah si, je pense que j'en ferai. Wow. Il a buté mon chien l'enfer. Bizarre, hein. Je trouvais que les creepers étaient plus balèzes que ça, ou alors c'est mon armure qui fait que. Ouais, il me semble que ça nous one-shot, mais si on n'a pas d'armure, hein, les creepers en hardcore. De toute façon, on va attendre la nuit parce que c'est ce qu'il nous faut. Je sais que du fer ne serait pas une mauvaise idée pour de récupérer, mais bon. Ce qu'il nous faut là, c'est des slimes dans le biome marais. Qui est juste là. S'il y a une cabute de. Ouais, une cabute. Comment. Une cabane de sorcière, je la buterais. Enfin, je buterais la. La witch hunt. Ça? Ouais, c'est ça, la hutte de sorcière. Ouais. Bon, des petites orchidées, ce serait sympa à prendre, à cultiver un petit peu. Quoique non, on peut pas cultiver les plantes d'orchidées, je crois. Bon. Et en plus, c'est un maxi. Waouh, quoi. Je garde les coordonnées en tête. De toute façon, je les reverrai lorsque je. Ben. En soi. Je pense qu'on va essayer de se faire un abri quelque part. Genre là, dans cette falaise. Ah ouais, c'est pas mal ça. Parce que la grotte que j'étais tout à l'heure, elle était vraiment grosse. Ouais, ici, c'est aussi, ça a l'air de s'enfoncer, à vrai dire. Si je pouvais avoir juste un endroit où me poser. Ouais, ça s'enfonce encore après. Je peux toujours boucher. Non, 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 non. Et ouais, j'ai retrouvé hein, le chien de Fallout. C'est Canigou, ouais. Il me semble. Je savais bien que c'était un nom de pâté pour chien. Bon, le soleil est haut, et bien sûr, c'est jamais la nuit quand il faut. C'est jamais la nuit quand il faut. Eh ben écoutez, se mettre comme ça près d'une grotte, c'est pas une bonne idée. On va se mettre en amont. Déjà, on va se mettre en amont. Et on descendra après. On va se faire une. On va se positionner là. On va essayer de se faire.